C'est pour ça que... Ok. Uncharted 1, pour son époque, il est pourri. Enfin, pour notre époque, il est pourri. Mais pour son époque de sortie, il est pas dégueu, hein, au niveau du maniement. Mais, ça reste quand même un gameplay à chier. En 2007, on n'avait pas grand chose de mieux. Et on peut parler des Assassin's Creed si vous voulez, mais les Assassin's Creed, à la sortie, ils étaient tout buggés. Hein. Plutôt. Oui, les Assassin's Creed sont tous buggés tout le temps. La fille, hein. La fille ? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully... On sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Ah oui, oui, oui. Et au moins, maintenant, il les corrige. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Mais bon, la mode des DLC est pas vraiment mieux. Je suis sûr que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais, je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Alors, là... Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on, trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? Ils pensent même pas à sceller. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Alors, parlons de Street Fighter. Alors, autant je suis tout à fait d'accord avec toi, la politique de Capcom est dégueulasse, autant on peut pas dire que les DLC ont sauvé le truc, sachant que pour Street Fighter 2 et 3, certes, à l'époque, ça n'existait pas, les DLC, donc ils ont sorti 75 versions, mais explique-moi pourquoi il y a 4 versions du 4. Et pourquoi il y a déjà deux versions du 5, alors que de nos jours, on peut patcher les jeux. Hein, on peut ressortir des jeux en plus. Et puis, explique-moi pourquoi chaque personnage coûte 3€, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et re à Lucard. On avait un petit débat avec Doué sur c'était mieux avant. Et on était d'accord sur plein de choses, mais il a essayé de défendre la politique de Capcom, et là, c'est pas bon. Juste pour m'énerver, c'est... Les gens restent des pigeons, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand t'aimes un jeu de combat et que tu vois que la nouvelle version a 10 personnages en plus, t'as envie d'avoir les 10 personnages en plus. Non, mais moi je te parle de DLC et toi tu me parles directement de Capcom comme si tu voulais le défendre. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Ces statues sont étranges. Matteo au nord. John à l'est. Marc à l'ouest. Et Luc au sud. Et comment je sais où c'est le nord? Ok. Ah.
La tête de Pook, c'est Luke. Il doit regarder le sud. Le lion, c'est Marc. Et Marc, il regarde l'ouest. Il reste l'ange et l'oiseau. L'oiseau, c'est John, il regarde l'est. On doit pas être loin du bon. Hein. Moi, Street Fighter, j'y jouais sur Super NES. Et j'ai moi-même deux versions différentes du même jeu sur Super NES. Oh, encore une bibliothèque. Ok, quoi encore? A plus, salut. Des gros bisous. Tiens, ça me dit quelque chose. La torche inversée mène au pays des morts. Et bonne nuit, Almerion. Et bisous. Histoire, c'était mieux qu'avant. Hey, mais ouais, les hommes étaient plus en forme, ils se tapaient dessus à coups de bâton, quoi. Ils avaient des jeux okay, sains, voir. Ouais. Avec des gros cailloux aussi. Ok, vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu ailles tout seul. Eh hey, ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, il l'utilise pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate, sois prudent. Voyons, je le suis toujours. Oh ! J'avais pas vu ça ! Ah ! Ok, pays des morts. Me voilà. Jamais je reviendrai dans les années 90 et pourtant mon top 5. Ah moi je retournerai bien dans les années 90. Pardon. Et du coup comment ça se fait qu'ils sont là eux? Blow
Dépêchez-vous! Il a plus de mission! Devoir acheter un jeu seulement en regardant la jaquette. Ouais, mais on n'avait pas le même genre de plaisir sur un jeu. Ouais, je dis pas, hein. Oui, les jeux étaient plus chers avant, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Mais moi, les parties de N64 en Diablé avec mes potes. Ouais, super. Bien sûr que la mélancolie influe. Ok. Moi le premier, vous m'avez entendu hurler sur le gameplay de... Zelda sur NES. Et pourtant, Zelda sur NES, pour beaucoup, c'est le monument du jeu vidéo, quoi. Mais la mélancolie excuse pas certaines erreurs de gameplay. Et voilà. Qui sont juste énormes, quoi. Le mec se prend un coup de Beretta dans la gueule. Pas de Beretta, de Berenelli, et il meurt pas, quoi. Alors, heureux?
Ah mais c'est parce que eux ils savent pas respirer. Doué, ils font pas leurs exercices, c'est pas de ma faute quand même. Quand on me dit que c'était mieux avant, je réponds c'est fait exactement. Mais moi quand on me dit Dark Souls, je dis mais jouer à Demon's Souls quoi. Demon's Souls est tellement mieux quoi. Il y a tout ce qu'il y a dans Dark Souls en mieux. En beaucoup moins conventionnel. C'est pas possible. Il est foutu. J'ai envie de faire pipi. Dernière nouvelle, l'émulateur était en passe de très bien tourner. Ah ouais, ça c'est autre chose. Si t'as la console, t'as pas besoin d'émulateur. Alors je te dirais que malheureusement pour moi FF15 rate ce qu'il aurait dû réussir. C'est-à-dire un FF c'est censé être un RPG, donc avoir une histoire. Bah, je veux dire un road trip c'est un road trip quoi, mais c'est fini Drake. Oh non. Get up.
Ah, je peux pas te dire, je peux pas te laisser dire ça. Je regarde juste les deux Xenoblade. Même sans parler du X qui a beaucoup déçu. Bah ouais, mais sauf qu'elle est complète l'histoire. Elle a un début, elle a un milieu, elle a une fin. Dans le cas de FF8, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un retournement dans le passé futur. Mais voilà. Tu vois, FF9, pareil. Il a un début, il a un milieu et une fin. Il est pas parfait, il est très loin d'être parfait. Et maintenant. Oh merde. Alors que moi, tu vois, FF8, j'ai kiffé. Ça doit bien servir à quelque chose. Deux cloches sonnent en parfaite harmonie. Oh, la cloche. Ah, le jeu a planté. Félicitations, Bakel. Génial. On va faire une pause de quelques minutes, les amis. Je vous rejoins d'ici 15 minutes, on va dire, pour la suite de nos aventures. A tout de suite.
Imagine the breakup. Hey, rebonsoir. Après un petit quart d'heure de pause, nous revoilà tout frais, tout pimpant avec un café. Minute, ça doit bien servir à quelque chose. Deux cloches qui sonnent en parfaite harmonie. Hello, Wonder Wop. Nice to see you today. We are Sunday. Sunday, Monday, happy day. Je crois savoir où ça mène. Si seulement je pouvais l'ouvrir. Tu es à la moitié du jeu. Oh, juste la moitié. Tout est là, sous nos yeux. On peut y arriver, petit. Mais comment est-ce qu'ils comptent sortir cette statue de toute manière? Il va nous trahir. Par ici. Ah, c'est pas vrai, ces types sont partout. Une coupe espagnole en argent. La console galère un peu. Ça va lui faire mal. Me voilà. Peut-être que si j'allume pas ma lumière, ils sauront pas que je suis là. Arrêtez-le ! C'est totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman? Mes hommes se font massacrer. J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais y a pas que Drake, c'est pas vrai!
Je vous le dis, cette île est maudite! Ça suffit. Prends ton équipe de minables et partez. Non, vous pouvez pas faire ça. J'ai droit à ma part du trésor! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman! Et vous le savez! On en reste là, monsieur Raja. Taekamo! Vous allez me le payer! Tôt ou tard! Rappelle-moi pourquoi tu as engagé cet imbécile superstitieux. Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce n'est pas le cas. Mais il sait qu'on le tuera s'il ment. Ne sois pas stupide, on ne le tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps. Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes, et on ne sait même pas si elle en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vaudrait mieux. 250 kilos d'or? Ouais, ça doit valoir un peu. Vous allez... vous ici, monsieur Penn. Who are you, Wonder What? Do you have a great journey? A good day? It's a good day. For moving around. A good day. For singing a song. It's a good day. I hope everything is fine. It's a good day for playing a game. Sur les traces du trésor. Et rush, Hilo. C'est pas encore fini, bah non. En même temps, on fait le jeu tranquille, hein. On est pas pressé à la seconde non plus. Hein. Un effort, elle est juste là. Et là, genre, il peut pas monter sur le muret et monter là?
Là, il a sauté 5 mètres. Tout à l'heure, je lui ai demandé de sauter 4 mm. Il a pas volé. Et... Trop fort le Baka. Pourquoi trop fort le Baka? Ah mon Alu, comment était ton live? Fortnite? Oh, I will never play Fortnite again. I don't like the gameplay of Fortnite. Je vais me mettre en pyjama. Ah, Shiloh, tu me fais plaisir. Fais-moi rêver, Shiloh. Dis-moi que tu es en petite nuisette. Fais-moi pas rêver, Alucard. Ne me dis pas que tu es en petite nuisette. C'est mieux de dormir en caleçon. Ah, en effet, ouais. Pour un mec, c'est mieux. Vous avez rien de mieux à faire que de me tirer dessus, sérieux? Vous ennuyez le week-end ou quoi? Faut vous trouver une passion, les gars. Le jeu vidéo, c'est sympa. Vous devriez essayer. Ça devrait les réveiller pour de bon. Salut, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là et... Apparemment, il y aurait une espèce de galerie secrète en haut de l'église. Tu peux y aller? Ouais, il me semble bien. Entendu, appelle-nous si tu trouves quelque chose. Les headshots, c'est pas ton rayon. J'en ai plus d'une centaine à mon actif depuis le début du jeu, mais... Yeah.
Ah, parce qu'on va encore me dire que... C'est de la merde. Je veux dire, à un moment. Les laissez pas passer. Il a aucune chance. Ah, si Shiloh a envoyé une photo de sa nuisette, je pousse un hurlement de. Un hurlement de jalousie si Alucardé l'a reçu et pas moi. Alors là.